Bonjour, je suis Magic Régis et je suis magicien. Je vais vous proposer trois paris impossibles à réaliser. Pour le premier pari, vous aurez besoin d'une carte et d'un verre à pied. Et vous demandez à vos spectateurs s'ils sont capables de maintenir un verre sur une carte. Pour réussir cette expérience, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Deux cartes, un verre de préférence, un verre à pied, une colle et une paire de ciseaux. Vous tenez bien avec votre pouce la carte de façon à ce qu'on ne voit pas la double carte. Vous la bombez légèrement vers le devant. Vous allez simultanément mettre le verre et décoller le flap. Le verre, en fait, tient tout seul. Vous voulez gagner beaucoup d'argent? Vous avez besoin d'un billet, d'un spectateur. S'il attrape le billet est à lui. S'il ne l'attrape pas, il vous doit 2 euros. Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un beau billet et d'une bonne dose d'audace. Prenez plutôt un billet neuf, il tombera extrêmement vite. Dans la démonstration, vous lui montrez que c'est en fait très facile. Votre cerveau enregistre le lâcher et le rattrapage du billet simultanément, ce qui ne sera pas le cas avec le spectateur. Lorsque vous mettez en place, faites bien en sorte que les doigts de vos spectateurs soient suffisamment écartés. Le cerveau ne peut pas enregistrer une perte du billet en même temps qu'un serrement des deux doigts. Votre spectateur ne saura jamais quand est-ce que vous lâchez le billet. Comment réussir à faire un nœud avec une corde sans quitter vos bouts des mains? Ça paraît impossible. Vous allez en fait mettre votre corde comme ceci. Vous allez croiser vos bras. Le bras gauche sur le bras droit et le bras gauche va passer sous le bras droit. Vous êtes comme ceci. Vous réussissez à faire un très joli nœud. Pour de nouvelles expériences, retrouvez-moi sur le site minutefacile.com ou sur mon site magicregis.fr. À très bientôt !